Bonjour, bonjour mes amis, comment allez-vous? Espérons que vous ayez la paix aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne, que m'en serait le plaisir de rejoindre là. Et ici, nous comptons parce que nous rejoignons, nous pourrons passer un très beau moment ensemble. Moins souhaité, mettre la vie à garder ou libre aux protections et pas oublier de dire merci pour ça. Si vous regardez nous pour la première fois, faites-vous membre de cette grande famille pendant que cliquez sur abonner tout en activant la petite cloche. Cela vous permettra d'avoir des notifications des vidéos. J'aurai à vous faire parvenir à la chaîne. Je dis à nos potiers, ils ont information, partagez ensemble avec vous, prends temps pour être capable d'entendre information ça. Il y a bon pour et finalement ou même. On va quitter un commentaire pour nous dessous. Pas négliger, fait ça et partagez là pour plus de monde capable d'entendre. Monsieur pays occidental, qui est les États-Unis à la tête, ni, depuis deux guerres mondiales, les États-Unis prennent en domination avec le dollar. Et les États-Unis ont mis au monde unilatéral. Nous comme ça qui passe avec la deuxième guerre mondiale, tu as Est-Ouest. Tu as l'Union soviétique, tu as le bloc de l'Ouest, tu as les États-Unis à la tête. Et l'Union soviétique, ça, on appelle le clip de la terre. C'était le bloc communiste contre capitaliste. Et nous avons l'Ukraine de Pépati, l'Union soviétique, depuis 2 mai 1922, Vladimir Ilyich Ulanov est une paix. Et nous avons l'Ukraine, son pays était en pays slave. Et ils craignent là depuis ce Kiev, siècle et c'est voir Wissio. Ils craignent pas que les Kiev, Kiev. Ils disent les Kiev. C'est que c'est voir Wissio parce que Wissio était nomade. Même ils craignent ça à l'Occident, pas là. Ils craignent des partis en plus slave, de que Catherine Day qui a dirigé. Nous connaissons ce qui a passé, nous avons dit là. Pour le Nîmes développé de la fédération, Union soviétique, avec Staline, il y a un pays soviétique. Tout le côté de Wissio, il faut dominer la question ça. Et dès qu'on est dans la révolution bolchevique là. Après midi de l'écrasé, les États-Unis d'Amérique, qui est un guerre de la 91, ils mettaient le monde unilatéral. À ça que la mondialisation néolibérale, capitaliste, qui consomme les valeurs culturelles là-dedans. Quand il n'y a pas les privatisations d'entreprises publiques, libéralisation. Et nous, ça peut arriver, l'Union soviétique va tomber, elle va perdre toute la République. Depuis là, ça, Américains avaient allié l'Europe, ils ont besoin de faire un cercle là aussi, avec l'OTAN. L'OTAN quittait l'Ouest pour l'entrée à l'Est. Et dans la période de ça, quand le président de les Kobachev avait Ronald Reagan, il a signé un traité pour délimiter l'OTAN dans le territoire de la Russie. Et nous comptons ça qui passé. Et après l'Union soviétique est tombée, l'année 96, il y a eu un gros désordre mondial. Côté Américain bombardé la Yougoslavie, Américain n'a pas qu'un désordre dans le monde. Et l'OTAN te mettait. Et tu prends Estonie pour te mettre base militaire. Exemple la Pologne, pour te mettre bouclier anti-missile. Laisse ça pour tu peux te pouvoir. Je dis avec bouclier anti-missile, ça, c'est pour qu'on stoppe un missile iranien. Tout le monde connaît Iran, c'est Moyen-Orient lié. Un missile Moyen-Orient pour tomber en Europe. Et Poutine dit, c'est pour nous avec missile ça. Et la Poutine arrive au pouvoir, je suis redressé là aussi. Je suis là aussi tourné sur la scène mondiale. Je suis récupéré la Tchétchénie. Et je suis stoppé la Géorgie. Parce que pour la Russie, ni la Géorgie, ni l'Ukraine, et ni Belarusie, c'est autres où ces mêmes gens, les gens qui ont quitté, ils prennent la gonave, mais nous sommes mis, nous pas de pays encore. Parce que l'Ukraine baille sous la mer Noire. La mer Noire, son côté stratégique, depuis les batailles empire ottoman, depuis les batailles la Grèce et contre la Perse. Ça veut dire, la mer Noire va déboucher sous plusieurs espaces. Il va déboucher sur la Méditerranée, il va déboucher sur le Moyen-Orient. Parce que la mer Noire, tout sur la mer chaude liée. Parce que nos périodes hivertiques, flotte là aussi, il faut jouer la mer chaude pour le mettre là. Dès que vous amenez là aussi, dans la mer Noire, ou réduire comme puissance moyenne ou enclavée. Et qu'on l'autre bagarre encore, l'OTAN, il y a des besoins de mettre Ukraine dans l'OTAN, c'est pour influencer la politique dans la région. Et qu'on l'autre bagarre pour comprendre tout, Ukraine a pile matière première, il y a pile ressources minières. Et l'Ukraine en Europe, après la Russie, c'est le deuxième producteur blé. Et concrètement, il y a dit tout, il y a 40% de Russes qui vivent en Ukraine. Et il y a vivent Donbass, il y a vivent Donetsk, il y a vivent Lugansk. Et qui ça les États-Unis fait? Il y a une gang néo-nazi. Il y a l'Allemagne, qui est la presse financière, il y a Israël. Gang ça, il y a tombé tiers citoyens russes. Même en Haïti, côté Amérique, il y a un gang de Genève. Et le gang ça, il y a tué 800 000 Russes en Ukraine. L'Occident va jamais le dire. Nous-mêmes, en tant militants révolutionnaires, en tant que Dessalinien, nous ne sommes pas d'accord avec l'évasion qui peut être en Ukraine. Non. Quand même, là aussi, il y a raison. Parce que l'ICI est traité avec Negio, l'ICI Negio, là aussi, il y a tiré le missile nucléaire à Kiba. Là aussi, bah, j'aime bon l'Iran S-400.
là aussi qu'on équipe mon zam ni pas bail l'Iran. Parce qu'elle respecte les intérêts internationaux. Après deuxième, après mille de mille crasés, là aussi quasi 5000 têtes nucléaires, des missiles offensives. Et monsieur Clinton, le retourné au pouvoir, il a réarmé les États-Unis. Il a organisé une équipe d'armes tête chargée. En disant contre Israël. Américain, bah, Israël, plus d'armes dans le monde. Contre le peuple arabe. Contre le Palestine. Et je vous dis à son réponse. Et nous-mêmes nous comprenons. Là, l'équipe de la terre. Nous avons une équipe de radio pour jouer avec une équipe de pété. Ça va faire l'histoire. L'Ukraine va entrer en Union soviétique après la révolution bolchevique. L'Ukraine entre là aussi depuis le 5e siècle. Ils ont construit ça que l'église orthodoxe en 9e siècle. L'église orthodoxe était sous la raison contre l'église catholique romaine. Depuis ça, l'Ukraine avait là aussi ce deux peuples qui ont même identité. Et tout l'Ukrainien a parlé russe. Ça veut dire, il faut vous comprendre au niveau linguistique, politique, tout, puis comprendre une dimension ça. Et nous ne pouvons pas souhaiter avoir faute pour nucléaire. Si vous avez un nucléaire, tout le monde a perdu. Et nous croyons, les États-Unis, il faut comprendre le monde là. Il n'y a pas un monde illatéral encore. Nous sommes un monde multipolaire. Il y a plusieurs têtes. Il y a l'Iran. Ou la Russie, ou la Chine, ou un seul pays, Moyen-Orient, et l'Afrique. Et quoi, dis nous. Ça veut dire, nous n'aurons pas le monde là, nous le dire. Et nous t'assurons que nous comprenons ce qui se passe en Ukraine. C'est pas ça, ici. Parce que quelqu'un qui est tombé pour un territoire en bas, nous mettons des armes nucléaires. Et nous, ce qui se passe en Ukraine, là aussi, qui est pour trois centrales nucléaires. Et nous, dites les Haïtiens, nous comptons, mais ces radios sociaux, ça, qui viennent seulement ça. Toutes les radios qui ont baillé, toutes ces mentiers, il y a contaminé le monde, et nous, RFI, et Métropole, et Galaxie, toutes les propositions. Je dis Poutine, son monde fou, Poutine, son dictateur. On est qui des armes nucléaires pour aujourd'hui. Nous, quand j'aime tout, combien de millions de monde. Nous connaissons à des États-Unis, deuxième guerre mondiale, tu es 20 millions de monde. Abom nucléaire, t'es la guerre, la galaxie, où je suis là. Et je veux dire à l'éclair, même quand on dit, nous, nous dit, qui est dictateur, nous, quand j'aime donner des coordonnées dans ce pays. Ça veut dire, faut comprendre le monde là. Faut comprendre la propagande occidentale qui a fait dans le monde là. Et je pense, là aussi, pas voulait tout le monde en Ukraine. Si là aussi, tu es voulu, nous, seul jour, nous faisons toute bagaille. Ça veut dire jusqu'à nos jours, Poutine a conservé la population ukrainienne, parce que où l'autre est en Ukraine, nous avons besoin de Russie. Ou nous avons besoin en Russie, nous avons besoin de l'Ukraine. C'est l'Occident même qui divise, là, qui fait l'Ukraine ou qui rentre dans l'OTAN. Mais qui ça me garde? Nous avons un parti politique en Ukraine, son parti marxiste-léniniste. Lui-même, il dit l'Ukraine va jouer politique là aussi. Il va jouer politique les États-Unis. Il a un partenaire commercial avec eux. Et je pense que Poutine n'a pas fait back. Et son...